Bienvenue dans le jour en avant. Alors, vous l'entendez sûrement d'emblée, j'ai pas beaucoup de voix. Mais j'avais tellement envie de faire mon... Ça fait longtemps que j'y pense, mon jour en avant. Donc, au pire, on fera ça short and sweet si jamais la voix me lâche. Mais bienvenue. Aujourd'hui, je filme, on est le 1er décembre. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Rive Compagnie. Moi, c'est Geneviève, geneviève.versapin sur Instagram et versapin sur Ravelry. Donc, un petit virus de garderie, rien de grave, mais disons que ça me ralentit ces jours-ci, ce qui est pas plus mal. Et pour un début décembre, ce qui est pas plus mal de devoir prendre un peu de temps pour s'occuper de soi-même. Donc, je tousse, je touche, je tousse. Mais à part de ça, ça va quand même pas si mal. Donc, 1er décembre, j'essaie de rentrer dans le mood des fêtes. Moi, je suis du clan, je sais pas vous. Moi, je suis du clan d'attendre au 1er décembre pour me mettre dans l'esprit des fêtes. Ça dépend tellement des gens. Ma soeur et ma mère sont dans le clan en 1er novembre. Dès que l'Halloween est fini, on se met dans le temps des fêtes. Moi, je suis définitivement pas dans cette gang-là. Mais le 1er décembre, ça y est, je peux me mettre dans l'esprit des fêtes. Puis le jour avant, ça sert à ça aussi. Donc ça va juste être un genre de petit calendrier de l'avant, de type un peu vlogmas, mais sans pression. J'espère le sortir tous les vendredis du mois de décembre jusqu'à Noël. Donc 4 beaux jours en avant à vous présenter. Vous montrer un petit peu d'inspiration des fêtes. Ce que je fais, c'est un peu plus quotidien que mon journal créatif habituel qui est plus espacé. Donc, je laisse un petit peu aller ma créativité là, pour les jours d'avant. J'espère que vous allez apprécier et qu'ensemble, on va se mettre dans l'esprit des fêtes. Pour moi, si je peux mettre un mot sur mes fêtes espérées, ça serait juste calme. Hein, je vous ai parlé du livre Calm Christmas la dernière fois et du podcast qui va avec. Puis vraiment, calme, c'est tellement ça, ce à quoi j'aspire pour Noël. J'aspire tout simplement à plus de calme. En général, ça me permet de sentir un peu plus la profondeur des choses, des moments, tout ça. Voilà. Quelques projets. Alors en ce moment, le fait d'être malade, ça me donne quand même le temps pour tricoter. Ça c'est le sweet spot pour les tricoteurs quand on est assez malade pour devoir se reposer et tricoter. Mais pas trop malade quand on n'est pas capable de tricoter. Hein? Je le sweet spot. Je peux pas me plaindre. Alors, j'ai tricoté quelque chose que j'ai pas avec moi, mais j'ai quelques photos pour vous montrer. Donc, ça a été un tricot qui m'a pris plus de temps que je pensais, qui était supposé être rapido presto. Puis finalement, ça m'a pris une bonne semaine de tricot matin et soir pour le finir. Mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup. J'ai tricoté une cagoule pour Mihai, une balaclava. En prenant le patron de la November, je pense pas me tromper, November Palatava de Petite Knit. Vraiment sweet comme patron, donc j'avais besoin de quelque chose de chaud pour Mihai qui pourrait pas enlever facilement parce qu'il arrache sa tuque tout le temps. Puis son petit cou est toujours à l'air, le petit joint entre le foulard puis la tuque est toujours à l'air, j'aime pas ça. Donc je me suis dit que j'allais lui tricoter quelque chose de sur mesure pour lui. Puis comme il y a une bien grosse caboche, ça a été plus long que je pensais comme tricot parce qu'il a fallu que je l'adapte quand même pas mal. Donc j'ai utilisé ce patron là, puis moi j'ai utilisé des restants de laine. J'ai mis 4 fils de fingering ensemble. Oui c'est ça, donc ça fait bien chaud, ça fait une cagoule qui est un peu lourde, puis j'aime bien ça. Les adaptations que j'ai dû faire, c'est que dans le fond on commence par tricoter le dessus de la tête, ici comme ça. Après ça, on vient relever des mailles tout autour pour descendre la cagoule. Ensuite, on joint en rond sous le menton, puis on finit le cou. On relève des mailles pour faire le tour de tête en côte. Alors moi ici, le petit carré là, qui est sur le dessus de la tête, il n'y avait pas du tout la bonne forme pour Mihai dans le fond. Mihai avait la tête moins ovale que le patron, que les enfants de petite nid probablement, qui ont la tête plutôt ovale. Mihai a la tête un peu carrée. Donc son dessus de tête est plus gros que la moyenne, mais sa tête n'est pas aussi longue que ce que le patron prévoyait. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc dans le fond, j'ai juste fait plus de répétitions pour agrandir le rectangle sur le dessus de la tête. Ça, j'ai relevé des mailles, fait que ça me donnait plus de mailles pour faire sa tête.
Puis ensuite, j'ai dû faire moins de répétitions parce que la première fois, j'ai descendu trop loin. Puis là, ça baillait ici, ce qui n'est pas le but d'une cagoule. Hein. On veut que ça cache du vent. Donc là, j'ai fait moins long, moins en rond sous la tête. Fait que c'est vraiment sur mesure pour lui, pour sa caboche et sa forme bien spéciale. Puis ensuite de ça, j'ai fait le coup, comme le disait Petite Nit. Donc on revient en côte simple. Toute la clava, la cagoule est faite en fisherman's rib. Est-ce que c'est côte brisée en français? Non, je pense pas. Paul me l'a dit, c'était quoi, je m'en souviens plus. Mais en fisherman's rib, ce qui est un super joli point. Après ça, quand on arrive dans le cou, on tombe en côte 1-1, ce qui fait que ça le resserre comme naturellement. Ensuite, le patron se finit là pour Petite Nit. Moi, j'ai décidé de faire une bavette pour que ça fasse vraiment comme son foulard et sa tuque en même temps. Donc après les côtes, dans le fond, j'ai divisé pour avoir comme des genres d'épaules, puis la bavette devant, la bavette derrière. Puis j'ai fait des augmentations. Je suis retournée en fisherman drip pour avoir une belle épaisseur. Puis j'ai fait des augmentations avec mon marqueur d'épaule. Puis là, ça m'a fait comme la bavette. C'est dommage que je ne l'ai pas, c'est difficile à expliquer. Puis j'essaierai de prendre une photo où est-ce qu'on voit toute la bavette au complet. Puis ensuite, j'ai fait des rangs raccourcis pour faire comme un demi-cercle à l'avant et à l'arrière. Donc ça lui fait comme une belle bavette. Ça lui fait aussi un peu... ma famille, on l'appelle le petit chevalier maintenant. On dirait que c'est comme une tuque de côte de maille. Qui a l'air d'un petit chevalier. Mais c'est pas plus mal, c'est très mignon. Puis ça me tient surtout bien chaud, donc je suis contente. Donc ça, c'était un des projets que depuis la dernière fois, j'ai castonné et terminé aussi. Je vais pas pouvoir parler longtemps. Je m'excuse si c'est irritant d'entendre ma voix comme ça. Certainement, celles qui ont les oreilles sensibles, c'est très fatigant. Je m'en excuse. J'ai aussi terminé mon No Frills en Dévonia que je porte et que je n'arrête pas de porter depuis que je l'ai fini. Je l'aime tellement. Je vous en avais quand même pas mal parlé la dernière fois. C'est tout simple. Hein. Donc, juste un No Frills tout simple dans une super belle laine, dans une super belle couleur. Je l'aime tellement. Donc, il lui manque juste sa paire de pantalons parce que j'ai pas de pantalons. J'ai juste des robes ou des pantalons d'été. Il me manque. Ça va être dans le projet de décembre si j'y arrive de me faire quelques pantalons. Donc, j'en avais parlé de Pietra allongés. Puis, j'aimerais aussi peut-être faire ma première paire de vrais jeans. J'ai déjà fait des jeans, mais pas les vrais de vrais, avec les vraies finitions de jeans. Ça, j'ai jamais fait. Donc, peut-être que ça va être mon projet de décembre ou mon projet du temps des fêtes. Ensuite, donc, ça, je l'ai juste fini. On est parlé pas mal la dernière fois. Il me restait juste un poignet puis une manche à faire, donc c'est fait. J'adore, il n'a pas bougé au blocage. Je l'ai porté, puis ça ne bouloge pas du tout à date, ni sous les bras, ni dans tout endroit sensible. Donc vraiment, je pense que ça va être un workhorse, un chandail vraiment durable. Donc ça, je suis contente. Puis je vous avais montré des échantillons la dernière fois pour mon No Frills rayé qui s'en venait. Alors là, c'est là où mon rhume paye. J'ai pu l'avancer quand même pas mal. Donc voilà. Ah. Je trouve qu'il fait tellement rétro. J'aime vraiment ça. Ah, il y a un petit quelque chose de rétro. Un petit quelque chose de Stranger Things. Je sais pas. C'est juste moi qui vois ça. Ah, oui, mais c'est le fait d'avoir des rayures blanches. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc je l'aime beaucoup, je suis vraiment contente de mes choix, mon choix d'alternance. Donc j'avais commencé, c'est le même patron, j'aurais pu aller vers le Aros de Petite Nit qu'elle a fait spécifiquement pour faire des rayures, mais j'avais envie d'utiliser ce patron-là que je sais qu'il me va bien, le No Frills, puis simplement l'adapter pour faire des rayures. Donc je tiens deux fils de fingering ensemble tout le long. Donc ici j'ai fait une taille médium pour ce chandail-là, puis ici je fais une taille X small juste parce que l'échantillon était plus grand. Donc pour avoir à peu près le même fit, celui-là va peut-être être un peu plus grand, mais c'est correct, c'est un chandail plus doudou là. C'est correct qu'il soit plus grand, mais je voulais pas qu'il soit ridiculement plus grand, je voulais quand même aimer son fit. Donc je fais un X-mall pour celui-là pour tomber à peu près sur les mêmes grandeurs. En fait c'est comme c'est une taille un peu inventée parce que j'ai fait le montage de maille du X-mall. Puis après ça, j'ai juste fait mes augmentations de raglan jusqu'à temps d'arriver à la même taille de raglan que celui-là. Dans le fond, j'ai mesuré le raglan, puis je suis allée jusqu'à arriver au même
à la même longueur de raglan. Donc je suis comme dans une taille qui n'existe pas. Mais c'est pas. C'est tellement simple, nos frills comme patron, que ça me dérange pas, c'est facile à adapter. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'en dire? Ben, en haut ici, j'ai tenu en double mon fil de tout coup fingering. La couleur saké, le blanc ton teint. Puis après ça, je le tiens en simple avec une couleur mes écheveaux de Urso nu qu'elle m'a offert. Donc la couleur topaz, Augustina et puis peach. Et ça, c'est la nuit au naturel avec toujours un fil de tout coup qui court dans tout le chandail. Au début, j'avais pas commencé comme ça. J'avais, après mes côtes, j'avais commencé par le rose parce que je me disais que l'endroit où le col touche la rayure ici, que ça, j'avais peur que ce soit weird avec la rayure blanche, tu sais, que ça fasse comme, comme s'il n'y a pas de jonction. Tu sais, que ça, en tout cas, je me comprenais. J'avais peur que ça fasse pas joli. Puis j'ai commencé avec le rose pour qu'ensuite le bleu tombe ici, juste sous les côtes. Parce que je savais que je voulais le bleu proche de mon visage. Sauf que j'ai pas aimé ça. J'étais rendue dans ma rayure bleue, puis j'aimais pas l'effet que ça faisait. Ça faisait un petit peu trop Reine des Neiges pour moi. Avec le rose proche de mon visage en haut, comme ça ici, puis après ça le bleu. Fait que j'ai juste défait jusqu'à la base des côtes, puis j'ai commencé avec le bleu, puis je suis vraiment plus contente de l'effet que ça fait ici. Donc vraiment, je l'adore. Je suis rendue dans le corps quand même bien avancé, presque à la moitié du corps, je dirais. Oh, le tiers au moins. Que ça fly. Ça fly, j'ai hâte de l'avoir puis de le porter. Ça va vraiment être un chandail doudou. Voilà. Donc, vraiment contente. Puis, ça peut être une bonne façon d'utiliser des écheveaux solitaires aussi que vous aimez. Ou même des écheveaux qui seraient un peu flyés pour vos goûts. Des fois, on a ça, on a acheté par coup de cœur, mais on ne sait pas quoi faire avec parce qu'il est un petit peu trop flyé. Le mettre dans un projet comme ça avec des rayures. Puis avec un autre fil qui vient comme unifier le projet, je trouve que ça pourrait être une super belle idée. Donc ça pourrait être une façon d'aller voir dans votre stash s'il n'y a pas des écheveaux qui pourraient être mis en valeur dans un projet comme ça. Suggestion de moi à vous. Donc voilà pour mes projets tricot. J'ai aussi un projet de cadeau pour André en tricot. J'ai filmé une petite capsule à part parce que je voulais profiter du fait qu'il était pas là pour filmer, pour pas qu'il m'entende en parler. Un petit preview au jour d'avant. Je dois profiter du fait qu'André est parti à la garderie pour filmer l'extrait sur son cadeau, mon projet pour son cadeau. Parce que je veux pas qu'il m'entende le filmer tout à l'heure. Alors, pour André, j'ai acheté... en fait, la petite histoire, c'est qu'André voulait... Pour ceux qui sont des amateurs de foot ou qui connaissent des amateurs de foot, vous saurez que cette année, Ronaldo a été envoyé à Manchester United. Donc, retour aux sources pour Ronaldo. Les fans de foot en ont beaucoup parlé. Et disons que l'intérêt d'André pour Ronaldo, en fait, cette année, il est vraiment, vraiment fan. Donc, il voulait demander un jersey de l'équipe, un chandail de l'équipe avec le numéro de Ronaldo et le nom de Ronaldo. Il voulait demander ça pour Noël, mais finalement, il était très raisonnable. Puis, il a demandé des bottes à sa famille. Quelque chose dont il avait besoin au lieu de quelque chose qui me faisait un peu rêver. Donc moi j'ai décidé d'utiliser ça pour faire comme un clin d'œil. Puis j'ai joint deux idées ensemble. Donc j'avais déjà l'idée de lui acheter une bouillotte parce qu'André a toujours froid. Puis on vit dans une maison de campagne centenaire. Donc c'est pas la mieux isolée. Donc il a toujours toujours froid. Et puis je me suis dit qu'une bouillotte ça serait vraiment un beau cadeau. Puis de lui faire, comme ça je pourrais lui faire aussi une couverture à la bouillotte, donc j'ai acheté la bouillotte. Puis je peux lui faire un cozy qu'on appelle en anglais, comme une petite couverture en laine pour sa bouillotte. Et puis là, vous voyez venir l'idée de faire une couverture Ronaldo. Excusez. Donc faire comme si la bouillotte avait son jersey de l'équipe de Manchester United avec le numéro de Ronaldo. Donc c'est mon plan. J'ai des restants de laine aux couleurs de l'équipe. Et puis j'ai. Ou sinon, je vais aller chercher un écheveau de Tuku Dike, je pense. Puis je vais prendre un patron
d'un patron bien simple. Je pense qu'il y en a un gratuit sur Ravelry de couverture à bouillotte. Et puis, je vais sur une des faces, je vais faire un jacquard avec le logo de Manchester United. Et puis sur l'autre face, ça va être comme si c'était le dos du joueur. Je vais écrire Ronaldo avec le numéro 7 en blanc. Donc le cover va être rouge. Et puis je vais utiliser le jaune pour le logo de Manchester United. Et puis le blanc pour écrire Ronaldo et le numéro 7. Alors, je pense que c'est une super belle idée. Il me reste juste maintenant à faire mon patron, donc à dessiner le jacquard pour que ça sorte bien. Mais en tout cas, si je réussis mon coup, ça va être vraiment un beau clin d'œil, ça va être vraiment chouette. En couture, sinon je suis dans un petit marathon de vêtements pour Mihai parce que j'ai reçu des vêtements pour lui. J'ai quelqu'un qui me passe des vêtements, qui a un enfant juste un petit peu plus vieux que lui, qui me donne les vêtements. Puis après ça, moi je comble les trous dans le fond. Fait que je comble ce qui me manque selon mes goûts, selon comment j'aime habiller mon fils aussi. Donc j'ai reçu pas mal de vêtements, je suis super contente. Mais disons que l'enfant qui donne les vêtements, Mihai, est arrivé à sa grandeur en été. Donc j'ai beaucoup de t-shirts puis de shorts qui lui feraient, mais c'est pas du tout la bonne saison. Donc il manque un peu de chandail chaud puis de choses à manches longues. Donc ça je m'en occupe. Donc je suis en train de faire quelques strawberry sweatshirts, qui est un patron dont je vous ai déjà parlé. Donc je le connais bien, j'ai le patron pour la bonne taille, donc j'en fais comme à la chaîne un peu si on veut, en trois tissus différents. Donc je vous les présenterai plus quand ils seront finis, mais je suis là-dedans, là, dans un petit marathon de strawberry sweatshirt. Parce que ça, il adore ça, de porter ça. Puis moi, je trouve que ça lui va bien. Et puis, il lui manquait aussi des petits bonnets à manches longues. Donc là, ça, je suis dans des restants. Oups, tout est coupé. Il me reste juste à assembler. Donc j'ai au moins une belle journée et demie de couture pour Mihai à faire avec des restants. Donc ici, j'ai deux... Ouais, c'est ça. Quelques petits body à manches longues pour lui là. Je sais pas, il est comme à l'âge où j'hésite à lui faire des body parce qu'il va vouloir s'entraîner à la propreté bientôt. Mais en même temps, j'aime pas ça qu'il y ait un bedon à l'air. J'aime pas ça qu'il n'y ait pas de body. Tu sais, les cache-couches là, qu'on snap en dessous de la couche. J'aime ça savoir qu'il n'y a pas la bedon à l'air. Fait que j'y en fais. Puis au pire, ben, j'apprendrai ma leçon. Puis ça lui fera pas longtemps parce qu'il va arriver. Mihai a 21 mois bientôt. Fait que peut-être que la propreté, ça va l'intéresser. Il va vouloir aller lui-même sur le petit pot. On est dans la transition. Fait que j'ose. Je lui fais des bodys. Puis au pire, je pourrais même juste les couper la base. Puis le finir comme un t-shirt, comme un chemin à manche longue. Si jamais je vois que c'est pas du tout pratique. Mais j'ai comme un petit instinct qu'on va être encore prendre un petit bout. Ça va être un petit bout encore avant qu'il ait besoin d'être capable de se déshabiller tout seul, de s'habiller et se déshabiller tout seul. Donc je pense que ça va quand même être utile. Et puis sinon, dans mes restants de la dernière fois, je vous avais montré une Heather Dress de Sew It que je m'étais faite et que je porte beaucoup depuis. Et puis dans mes restants, je voulais faire des vêtements pour Mihai, mais finalement j'en avais assez de restants pour me faire quelque chose pour moi à la place. Comme j'ai pas mal de tissus pour Mihai, je me suis priorisée. Alors là, ça a l'air de rien parce que je suis en train de le coudre. Ça a l'air d'absolument rien. Mais c'est un Linden sweatshirt que je suis en train de me faire dans ce tissu-là. Et puis, il va aller super bien avec notre jersey forêt. Donc le jersey forêt, j'ai comme projet de me faire une Georgie dress pour Noël avec le jersey forêt. Et puis, je pense que je vais en prendre assez pour me faire aussi une paire de Anima pants dont je vous ai déjà parlé. Donc des sweatpants, en gros. Ça va aller bien avec un linen dans ce tissu-là. Je pense que ça va être un nouveau combo de loungewear. Hein, j'en ai besoin ces temps-ci. Beaucoup dans mon divan parce que je suis malade. Donc ça a fait le tour de mes projets. Beaucoup de projets quand même, hein, beaucoup de pages sur la planche. Mais comme on va se voir souvent, ça va me motiver à avancer dans ces projets-là. En même temps, faut pas que j'ambitionne trop sur mon temps. Ça passe vite dans les semaines. Bon début décembre, bon début d'avant. J'espère que vous avez des beaux projets sur les aiguilles pour vous, pour les autres. C'est comme un... Faut jongler ça au mois de décembre. Et au plaisir de se revoir bientôt.